comprendre le contenu du projet de constitution afin de le vulgariser auprès de la population. C'est le but de cet atelier qui vise à regrouper les forces vives de la province du Borku. À cette occasion, le chef de mission, Dr. Mahamat Guindé, a tout d'abord rappelé les différentes étapes conduisant à l'aboutissement de ce projet avant de souligner que cette caravane de présentation est importante. Dr. Mahamat Guindé a par ailleurs exhorté les forces vives à s'approprier le contenu du projet de constitution, contrat social pour la refondation du Tchad, et de le transmettre à leurs bases respectives. Dans son mot d'ouverture, le gouverneur de la province du Borku, le général de brigade Jimta Bentergon, a souligné que ce processus de retour à l'ordre constitutionnel nécessite la participation active des filles et fils du Tchad. La vision qui sous-tend cette vulgarisation, c'est de permettre aux populations de connaître le contenu de cette loi fondamentale qui actera le nouveau contrat social tchadien et la refondation de notre pays. Jimta Bendergon a exhorté les participants à suivre attentivement les travaux, mais aussi en apportant leur contribution pour la réussite du référendum du 17 décembre prochain.